Le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, la parole de Johnny Hallyday a toujours visiblement beaucoup d'importance dans ce pays. Oui, car Johnny en France, c'est Dieu, avec les traits d'Elvis Presley revenu d'outre-tombe. C'est notre papy rock'n'roll, le seul de la génération Juppé à s'habiller tout en cuir. Quand il va chez But, les clients, pensant que c'est un canapé, s'assied dessus. Tout n'a été qu'abus dans sa vie, il a eu plus de canettes dans les mains qu'un éleveur de volailles et a fait l'amour à 3000 femmes, ça 3000 de plus que l'abbé de la Morandais. Il est donc respecté comme Christophe Maé dans le petit monde des types qui en 2016 portent une barbichette. Ils sont un, Christophe Maé. Quand Johnny parle, on l'écoute. Alors que quand Hollande parle, on va chercher une bière dans le frigo en attendant que Léa Salamé ait fini de l'engueuler. Ainsi, Jojo, cette semaine, était à Tahiti, l'île sublime où les colliers sont faits de fleurs. Zéro cara, un cauchemar pour Rachida Dati. Il s'est endormi sur la plage et a été réveillé par des types qu'il remettait à l'eau, persuadé qu'il s'agissait d'une tortue marine échouée, seule créature avec Johnny à vivre si vieux. Mercredi, Johnny est donc interviewé par la chaîne Polynésie Première. Oui. C'est comme TF1, sauf que les mecs sont en tongs. Avant l'antenne, ils se brossent les dents et le gros orteil. Donc là, on lui demande s'il est content d'être à Tahiti. 4 jours qu'il boit du punch coco en matant Laetitia en bikini. Donc il répond, bah oui mon whisky, c'est mieux que Maubeuge. Une évidence, hein, si vous allez sur booking.com dans le top des destinations consultées, Maubeuge est 9000e derrière Alep. Seulement, les habitants de Maubeuge, ils l'ont très mal pris. Mais oui, parce que Johnny a fait fi de la fierté locale. Oui. Ce sentiment absurde qui fait que dès qu'on habite un patelin, on fait semblant de croire que le bled est super. Et c'est n'importe quoi. Moi, je suis à Paris et je sais que c'est un immonde cloaque pollué et peuplé de cons qui marche dans des étrons de chiens. Je vais pas dire qu'on y est bien. Je suis de Bretagne et j'ai conscience de la tristesse de cette région qui fait que mes amis ont plongé dans l'alcool et le soir confondent leur femme avec leur biniou. Ils se demandent pourquoi leur femme fait ce bruit strident au moment de l'orgasme. C'est pas un hasard si les gens venant de Corrèze, Chirac, Hollande deviennent présidents. C'est pour se casser. Un gagnant du loto va pas vous dire « J'ai touché le million, chérie, je t'emmène à Nevers. » Escale, tiens-toi bien, Macron. Ben non, bien sûr, Tahiti, c'est mieux que ben tout oui. Ça. Sinon, Antoine, avec son bateau, irait à Dieppe, végéter au milieu des galets avec ses 12 kilos de poils. Donc je dis aux gens de Maubeuge, soyez réalistes. Vous non plus, si vous étiez à Tahiti à mater à 3 grammes le petit cul de Laetitia, vous ne voudriez plus rentrer. Et de toute façon, si Johnny vient chez vous, après un bon apéro, il vous dira que Maubeuge, c'est mieux que Tahiti, les Seychelles, l'Éden, tout ça. De toute façon, il est prêt à tout, Johnny, sans aucun doute. Absolument. Et je vous signale d'ailleurs que le très opportuniste Jean-Sébastien Petit-Demange saute sur l'occasion pour nous emmener à Maubeuge. Ah, j'en étais sûr. À 9h20. Je le connais trop sans bien. Sans faute, assurément.